Salut à tous encore une fois, c'est Gigi, et cette fois pour l'épisode de Kenator. Un épisode assez spécial. Kenator est peut-être le truc d'Arco. C'est pas sûr ça, parce que l'épisode de Kenator dure assez longtemps, je vous préviens. Mais j'ai déjà... En fait, il nous demande de récolter du bois, donc je vais déjà prendre tout le bois, comme ça. Il y a 4 caisses de bois, je crois, à exploser et à lui apporter. Donc, Kenator, il est là-bas. Je sais même pas pourquoi je cours là. Donc je mets le bois là. L'autre, il était là. Voilà. Je sais qu'il en faut au moins 3, je crois. Non, il en faut 4. Il en faut 4. Par contre, je vois pas les deux autres caisses. Si, il y en a une tout là-bas. Il y en a une autre sur le côté vers là-bas, je crois. Après, tant pis. C'est quoi ce Pokémon qui est là-bas, là ? Ah non, c'est du bois ! Allez, cours ! Enfin, oui, on peut pas courir, c'est ça qui est chiant. Donc, tout le bois est presque réuni. Attends, Kenator, j'arrive. Non, c'est que j'aimerais m'en faire le maximum, mais justement, plus je ferai de vidéos, plus les trucs pour aller à plus de 15 minutes seront machinés et tout, donc voilà. Hop. Donc là, en fait, il veut construire une maison pour ses cousines et tout. Quoi ? Ah non, oui, il faut faire un truc d'Arco avant. Ah mince, excusez-moi, j'ai totalement foiré. Bon, au moins, c'est en totale improvisation. Ah, ça fait 30 ans que j'y ai pas joué, je vous le dis, hein, ça fait plusieurs mois. Attendez, je vais m'asseoir. Parce que ça fait environ 3 quarts d'heure. Non, non, ça fait une demi-heure que je suis debout. J'en ai un peu pas marre. Et comme ça, je peux regarder dans l'appareil photo. Donc là, en fait, vous voyez, comment dire, un espèce de panneau. Et ben, c'est pour appeler Gros Drive. Que Gros Drive nous transportera de zone en zone. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on obtient? Pouf! Chenipan! Donc Chenipan est une pauvre brêle, il est très lent. Et ce con, qu'est-ce qu'il va nous faire comme défi? Je vous laisse imaginer. Si je vous dis qu'il est très lent, ça veut dire qu'il veut faire la course. Regardez. Je vais le laisser, regardez. Vous avez vu la vitesse à laquelle il va? Ouais, je vais pas perdre de temps. Merde, qu'est-ce que je fais? J'abrège ses souffrances. Merde, j'aurais dû l'envoyer dans la flotte. Ah bah non. Non, oui, j'aurais pas pu. Je chier. Voilà. Il est trop con, sérieux. Ah, Papillusion. Papillusion, lui, il est chiant, mais quand même. Il est assez chiant. Il nous propose à la course. Il est assez chiant, moi, je trouve. Enfin, au début, quand on n'a pas le truc... Ah oui, vous allez voir, toutes les évolutions d'Evoli sont super rapides pour les sprints. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Par exemple, là, je me souviens, on a Filali, voilà, là-bas. Et faut avoir... Toutes les évolutions d'Evoli, en fait, sont très rapides. Et faut avoir un truc pour les avoir. C'est pour ça qu'il faut que je sois ami avec plus de Pokémon possible. Parce que à chaque fois, ils nous demandent un nombre de Pokémon amis requis, bien précis. Comme par exemple Filali, ils nous demandent d'être ami avec déjà 15 Pokémon. Donc voilà. Et en plus, ils sont super balèzes. En vitesse. Je vous jure, c'est un truc de malade. Même moi. Mince. Il est passé où? Connard! Putain. Là-bas. Bon bah l'épisode numéro 3 à la chasse aux papillusions. Mais non, mais bordel! Faut que je le sache. Mais putain de. Putain de papillon de merde là. Mais enfin. Voilà. Vraiment désolé parce que je peux pas prendre tout l'écran à la fois, mais bon. Et quand même, faut avouer, c'est mieux que rien. Ah oui, en plus
plus on se rapproche, plus elle nous lance ça. Ça, c'est chiant. Merde. Elle est vraiment chiante, Papillusion. Rien pour ça. Cette fois, jeter. Cla. La seule erreur de Papillusion, c'est de se poser. Enfin bon, en tout cas. Mais la première fois, quand vous connaissez pas le jeu, et si vous avez pas vu mes vidéos et tout, elle est vraiment très chiante. Hein. Parce qu'on s'attend pas à ce qu'il nous envoie de la poudre toxique dans les gueules. Et donc, voilà quoi. Donc, oui, donc je reprends. Ah oui, Arco, il était pas à battre. J'y pense, j'avais dit que dans le premier épisode, j'avais dit qu'il était à battre. Non, c'est Férocinge qui va combattre. Je crois. Ouais, Férocinge, parce que je m'en rappelle, il faut le combattre. Je m'en rappelle. Voilà. En plus, il est trop con, il joue les gros kamikazes, regardez. Moi, vous allez voir pourquoi je fais ça. Regardez. Trop balèze. Pikachu, en plus, c'est super mignon. C'est vraiment le Pikachu de la série. Il ressemble vraiment, hein. Sauf qu'il est plus fluide en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Donc j'ai 500 baies. Où est-ce qu'il crame enfin? Je me demandais quand est-ce qu'il allait arriver. Mon quatrième Pokémon préféré est enfin là. Bon, on va y aller. Hein. Et il y a aussi Arco. Donc là, j'espère qu'il sera shiny cette fois. Non, je déconne. Imaginez un Arco shiny dans le Poképark. Trop fort le truc. Regardez le shiny. Non, je déconne. Quand même, ça serait bien qu'il y ait des shiny dans le Poképark. Allez. Donc vous voyez, Arco, il est quand même très fort. Putain, en plus, il est rusé ce bâtard. Et il n'y a plus aucune issue. Surtout que les attaques de type électrique ne lui font strictement rien. Pikachu a tourné tout seul là. Ça va, vous avez vu Arco, il a tourné. Pikachu là, il a tourné tout seul. J'avais pas réagi. Il a tourné tout seul. Cool. Maintenant mon cher petit Wistikram. Je sais où il est là-bas. Ah non, mince, ça c'est Philali. En fait, on a combien de minutes seulement? 8? Oh bah ça va, il est là. Wistikram! Où es-tu? Je ne te veux pas de mal. Il est là. Ah non, c'est moi, c'est Kenotor. Casse-toi, connard! Oh, je gagne. Ou plutôt, j'ai des Kenotor. Ouais, t'es fort à cette blague, j'avoue. Mais il est où, Wistikram, là? Hey! Ah bah, il est là. J'aime bien sa voix, il est tout mignon. Elle est pas exactement comme dans la série, mais j'aime bien. Et en plus, il ose nous défier. Donc là, en fait, il est pas très fort, mais plus tard dans le jeu, on re-rencontre et il est devenu un petit peu plus fort. Oh, ça fait mal ça. Donc il devient fan de moi. Il est trop mignon. Ah oui, donc là, il a parlé de son grand frère. C'est un Cygnabras qui est dans la zone ardente. Je ne vous en dis pas plus. Donc cette fois, j'ai eu absolument tous les Pokémon qui se trouvaient là, sauf Philali. Mais Philali, je crois que je peux pas. Ah si, quoique, peut-être maintenant que je peux. Attendez, je vais voir combien j'ai d'amis. Je pense que oui, j'en ai plus de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mince. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai du par ordre alphabétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est bon, on peut y aller. Vous allez voir à quelle rapidité elle est, mais moi je crois qu'on peut pas, on peut pas la choper tant qu'on n'a pas... Philali, vraiment. Flore Célébi, si tu regardes cette vidéo, vraiment c'est... Ah non, il en faut 20. Moi je croyais qu'il en faisait 15. Elle est vraiment super, super, super rapide. Vraiment, vraiment ça fait peur à quel point elle est rapide. Carrément. Pour vous dire. Donc là on est déjà rendu à 10 minutes. Ça va, on a encore le temps. Donc je sais pas comment je vais renommer cet épisode. Je ne sais pas.
Non, on affronte Cap Humain. Cap Humain a le même bruit que dans la série, hein, le même cri. Toujours aussi mignon, et Capidextre aussi. Vous allez voir. C'est parti. Le pire, c'est qu'il est con parce que s'il va parler, il est piégé. Ah ah ah! Un gros con! J'ai un grand mec suicidaire! Ah ah! Un machin, il fait demi-tour sur mon éclair! Enfin, c'est vrai qu'il pouvait, il avait pas vu, c'est vrai. Faut pas se moquer. Pauvre andouille! Non, je déconne. Capidex! J'adore faire son cri. À ce qui paraît, je le faisais super bien comme Homer Simpson quand j'étais dans ma première année de 5e. Pour ceux qui ne savent pas que j'ai redoublé à la 5e. Dans ma première année de 5e, je savais trop bien faire Capidextre parce que c'était mon Pokémon préféré. Et je savais trop bien faire Homer Simpson avant. Hein. Mais bon, c'était il y a 2 ans, donc maintenant. Ah, mince! Il est trop con. Mais bordel, mais quel ordre de faire un singe! Eh hey, mais! Traître! Putain, casse-toi! Putain, alors toi, t'es mort, faire un singe? T'as même faire un singe qui se fout dans le combat, ce con. Faire un singe, dès que vous le touchez, il est trop susceptible, ce Pokémon. Dès que vous le touchez, paf, il vous attaque. Il est trop susceptible, vous allez voir. Ah oui, il y a un truc que j'adore faire. C'est avec. Brochette, vous allez voir. Pour ceux qui étaient en beauté, bon, allez, tant pis. Pour ceux qui étaient, on va faire Mystère. Et il y en a d'autres aussi. Il y a aussi un Balignon et un Magikarp. Je sais pas si j'ai le temps de tous les faire, mais peut-être. Donc vu qu'il y a plein d'herbes, Mystère se cache assez facilement, mais il est aussi facile à trouver. Parce que sa touffe ne ressemble pas. Je m'en doutais, il est là, quelque part. Oh merde, il est où? Ah bah il est là. J'adore la voix. Mystère. On dirait une vieille, mais. Mystère. J'adore. Bon, moi je sais que je le fais mal. Hein. Hop. Non, j'ai pas le temps. Pas le temps pour cette pauvre merde. Il y a la pauvre merde de service nommée Magikarp. Oh non, oui, il y a même un Spico, c'est vrai. Spico, je sais même pas où il est, je crois qu'il est là. Hop, ouais, il est là. Un Spico, il est défi au combat, je crois. Ouais, j'aurais pas le temps. Merde, en plus, il se barre. Bon, tant pis. Je vais aller délivrer Balignon. Donc là, vous voyez, il y a pas de Magikarp. Faut le toucher avec une attaque tonnerre. Voilà. Mais bon, je peux encore machiner Magikarp. Je pense. Non, j'ai pas le temps. Hop. Donc on obtient une baie. Balignon. Balignon. J'adore, je le fais trop bien. Enfin, moi quand je m'entends, parce que vous savez, entre ce que on m'entend et en vrai, et moi je trouve que je le fais super bien. Balignon. Moi quand je m'entends, je le fais super bien, comme dans la série de Pokémon Advance. Donc bah voilà. Regardez, en plus il y a la même voix. Balignon. J'adore la voix. J'ai pas le temps. Donc bah voilà. Donc j'espère que ces 3 épisodes vous auront plu. Et on se retrouve demain. Enfin demain. Parce que là on est dimanche. Mais je sais pas si j'aurai le temps de toutes les poster. Ces vidéos. Je vais essayer. Je vous garantis rien. Et donc on se retrouve lundi pour d'autres vidéos. Donc je vais peut-être aller jusqu'à l'épisode 5. Donc je vous dis rendez-vous à bientôt. Allez. Un petit truc. À bientôt pour de nouvelles.